Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne et Jésus, comme tous les jours, tu es mon roi, mon bien, mon tout, je t'aime et je t'invite dans mon cœur pour que tu prenne toute la place en lui, que ta divine volonté puisse se déployer, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse agir et opérer librement à partir de mon humanité, dont je te fais l'offrande une fois de plus aujourd'hui, en gage de mon immense amour pour toi, et je le fais de tout mon cœur au nom de tous. Aussi Seigneur, viens continuer ta vie en moi, je voudrais que mon humanité eh bien, soit comme une extension de ta propre humanité. Aussi sanctifie chacun de mes actes, chacun de mes pas, chacun de mes regards, chacune de mes paroles, chacune de mes pensées. Je voudrais que tous mes souffles eh bien, soient les tiens, en fait, que ce soit toi qui respire dans mes respirations, je voudrais que ce soit toi qui fasse battre mon cœur, que nos battements de cœur eh bien, battent à l'unisson et qu'à chacun de mes mouvements conscients et inconscients, tu puisses recevoir un flot d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation, d'action de gloire au nom de tous, Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, eh bien, de venir nous disposer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, ta sagesse, ta compréhension, pour que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Chaque enseignement est une vie divine que tu sors de toi, et vraiment viens nous façonner, viens nous transformer. Alors Seigneur, vraiment donne-nous cette soif une fois de plus aujourd'hui, de nous unir à toi dans notre quotidien, de t'appeler dans toute notre journée, dans toutes nos actions, pour que nos actes ne soient plus humains, mais deviennent divins, éternels, et que tu puisses et bien grandir en nous, que nous puissions par chacune de ces actions faites en union avec toi faire grandir, alimenter cette vie divine en nous et devenir de plus en plus semblable à toi, Seigneur, grandir dans cette ressemblance avec toi. Jésus, je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et vraiment, Seigneur, garde-moi toujours unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, viens, nous t'attendons, viens, nous t'adorons, viens, nous t'ouvrons nos cœurs au nom de tous. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 30 juillet 1929. Nous sommes dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit continue de parcourir le Fiat suprême et oh, que de surprise, que de merveille de cette volonté si sainte. Voilà, elle est immergée dans cette mer de lumière où il y a absolument tout, toutes les œuvres divines, les qualités divines, les attributs divins, la volonté de Jésus, son humanité, sa divinité, il y a tout, il y a absolument tout. Et Louisa, elle est abandonnée dans cette mer de lumière, elle se dit mais il y a tellement en fait, je ne pourrais pas tout enclore, c'est tellement magnifique, il y a des merveilles partout où je regarde, tout est merveille, tout est beauté, tout est lumière. Ma petite intelligence se perd dans l'immensité de sa mère et il est bien des choses que je suis incapable de dire et dont j'ignore même les termes pour vous les raconter. Donc elle est tellement immergée dans cette lumière, dans tant de beauté qu'elle dit mais je n'ai même pas les mots. En fait les mots, si Jésus ne me donnait pas la grâce de le faire, si Jésus ne m'aidait pas et ne venait pas parler à travers ma bouche, je n'arriverais pas à décrire tout ce que je vois. Il y a tant, c'est tellement sublime. Et je me sens par conséquent comme quelqu'un qui a mangé ou vu quelque chose de merveilleux et qui ne sait pas comment cela s'appelle. Si la divine volonté n'accomplissait pas des prodiges en me faisant dire ce qu'elle manifeste, combien de choses j'aurais laissé dans sa mère, incapable de dire quoi que ce soit. Donc elle dit bien que c'est la divine volonté à l'œuvre en elle qui l'a fait parler, qui l'a fait écrire, qui l'a fait rédiger eh bien, ces 36 volumes pour que les âmes, après elle, puissent se laisser à leur tour transformer. Je me sentais ainsi dissoute dans le divin fiat, comme mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et me dit.
Ma fille, quelle différence entre celles qui pratiquent les vertus saintement, mais dans l'ordre humain, donc celles qui vont agir dans leur volonté propre, faire des bonnes actions, les actions pieuses, mais dans leur volonté propre, et celles qui opèrent dans l'ordre divin de la divine volonté. Lorsque les premières pratiquent les vertus, dans leur volonté propre, celles-ci, ces vertus, demeurent séparées entre elles, de sorte que la diversité de leurs actes apparaît. Une vertu qui apparaît comme patience, et puis une autre comme obéissance. Donc, il n'y a pas cette unité, en fait. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle possède, eh bien, cet acte unique et éternel. Tout est dans cette unité, cette force communicative. Mais quand on agit dans la volonté propre, il y a comme cette disparité, en fait. Une fois, eh bien, on va ressentir chez cette âme la charité, une autre fois la patience, l'obéissance, etc. Il y a une sorte de diversité dans les actes. Une vertu apparaît comme patience, une autre comme obéissance, une troisième comme charité. Chacune a sa distinction et elles sont incapables de fusionner pour pouvoir former un acte unique. Il n'y a pas cet acte unique quand on vit dans nos volontés propres. Elles sont incapables, ces vertus, eh bien, de fusionner pour pouvoir former un acte unique qui procède du divin et embrasse l'éternité et l'infini. Au contraire, pour celle qui opère dans ma divine volonté, sa lumière possède la vertu communicative et unifiante. Elle possède cet acte unique et éternel, cet acte primordial, incessant, continuel, cet acte créateur. Il y a cette unité. De telle sorte qu'en se fusionnant, parce qu'elles sont toutes faites dans la source de sa lumière, les vertus forment un acte unique aux innombrables effets propres à embrasser le Créateur même avec l'infinité de sa lumière. Donc toutes ces vertus pratiquées dans la divine volonté vont former, eh bien, vont former cet acte unique. En fait, tout va se retrouver dans cet acte unique. Il va y avoir cette unité. Cette unité. Cet acte unique aux innombrables effets propres à embrasser le Créateur même avec l'infinité de sa lumière. Le soleil en est le symbole. Voilà, le soleil est souvent le symbole que Jésus utilise pour parler de sa divine volonté, le soleil de sa divine volonté. Parce qu'il est un, parce qu'il possède la source de lumière qui ne s'éteint jamais, il embrasse la terre et par ses innombrables effets, il donne toutes les couleurs et communique la vie de sa lumière à tous et à toutes choses. Le soleil est un, mais il y a d'innombrables effets, il communique en fait par ses innombrables effets, eh bien lumière, chaleur, vie, couleur, fragrance, etc. Il communique la vie de sa lumière à tous et à toutes choses. La force unifiante possède la vertu communicative. Donc cette unité, cette force unifiante possède la vertu communicative. De sorte que s'ils le veulent, tous peuvent prendre un bien qui est mis à la disposition de tous. Par contre, la créature qui opère dans l'ordre humain est symbolisée par les lumières du monde d'en bas. Bien qu'elles soient nombreuses, elles n'ont pas la vertu de chasser les ténèbres de la nuit et de former la lumière du jour. Voilà, on agit dans nos volontés propres, on va former comme des toutes petites lumières. Jésus parle souvent dans d'autres exemples de petites étincelles en fait. Vraiment, ce sont des toutes petites lumières qui ont une toute petite portée. Tandis que quand on agit dans la divine volonté, il y a cette portée universelle. Cela va toucher les âmes du passé, du présent, du futur. Vraiment, il y a un rayonnement, il y a des grâces déversées dans tous les cœurs qui vont être eh bien, données, qui vont être accueillies en fonction de la disposition de chacun. Donc vraiment, les âmes vivant dans leur volonté propre, qui agissent dans leur volonté propre, même si leurs actions sont très belles et très pieuses, eh bien, représentent un peu comme des petites lumières ici-bas. Chacune des petites vertus, eh bien, va représenter comme une petite étincelle. Mais cela n'a pas la vertu de chasser les ténèbres de la nuit et de former la lumière du jour, ou d'embrasser la terre entière avec une grande multiplicité de lumières. Quand on agit dans la divine volonté, on sait que chaque acte fait en union avec Jésus, eh bien, devient comme un soleil étincelant, ruisselant, qui va toucher partout, qui va éclipser les ténèbres, qui va recouvrir la laideur du péché partout, etc. Par conséquent, elles peuvent être appelées personnelles ou locales. Ces petites lumières, en fait, vont avoir une portée tellement réduite. On agit et il va y avoir des petits effets bénéfiques
tout petits effets. Tandis que quand on agit dans la divine volonté, c'est Jésus qui agit en nous. Donc, portée illimitée, on rend gloire parfaitement à la Trinité, etc. On offre une gloire accidentelle au saint, au bienheureux. On offre un renouvellement de fraîcheur à toute la création. On offre une nouvelle fraîcheur aux âmes du purgatoire, etc. Donc, vraiment, cela jaillit de partout parce que c'est Jésus qui agit en nous. Donc celles qui agissent dans leur volonté propre, leurs actions, leurs vertus, bien cela peut être appelé bien comme des vertus personnelles, locales, suivant le temps et les circonstances. Oh, si toutes les créatures connaissaient le grand secret d'opérer dans mon divin vouloir, elles rivaliseraient entre elles pour que rien ne leur échappe qui ne passerait pas par sa très pure lumière. Voilà, Jésus dit, mais si vous aviez idée de ce qui se passe quand vous agissez dans la divine volonté, si vous voyez toutes les âmes sauvées, si vous voyez toute cette lumière qui regorge de votre être, etc., cette vie divine qui croît en vous, tout ce que j'opère en vous en même temps, puisque j'arrache à chaque fois des choses mauvaises de votre volonté propre, tout ce qui résulte de votre volonté humaine, je retire à chaque fois que vous vous unissez à moi, il y a plus des choses du ciel, il y a moins de choses eh bien, relatives aux choses humaines dans votre âme, à chaque fois que vous m'appelez. À chaque fois que vous me donnez votre oui, votre fiat, à chaque fois que vous vous unissez à moi dans ma divine volonté. Donc c'est absolument magnifique. Et si les âmes pouvaient avoir ne fût-ce qu'une petite vision de ce qui se passe au niveau spirituel, elles auraient peur, elles rivaliseraient entre elles pour faire le plus d'actes possible en union avec moi. Pour que rien ne leur échappe qui ne passerait par la très pure lumière de la divine volonté. Je continuais à suivre la divine volonté et mon doux Jésus ajouta, ma fille, la créature qui ne vit pas dans ma volonté est comme un enfant qui n'a pas la force de supporter son propre poids ou de faire des travaux propres à lui permettre de soutenir lui-même sa petite existence. Agir dans nos volontés propres, eh bien, Jésus dit, voilà, on est tributaire de tout, en fait. On est comme un petit enfant super faible, on ne sait même pas porter sa propre vie, on sait encore moins porter nos souffrances. Et si on le fait, c'est vraiment par l'exercice vraiment de mortification, avec des difficultés considérables. Et puis, chaque vertu que l'on veut exercer est tributaire des conditions extérieures. Si on veut pratiquer l'obéissance, il faut que quelqu'un nous donne des ordres. Si on veut exercer notre patience, il faut que l'on soit dans les situations aptes pour que notre patience puisse être exercée, etc. Donc, vraiment, Jésus dit, voilà, l'âme qui essaye d'agir bien dans sa volonté propre va former des petites lumières, vraiment comme les saints, tous les saints jusqu'à Louisa, eh bien, forment des petites lumières, quelque part, des petites étoiles dans le ciel qui réjouissent la Trinité, mais rien en comparaison de l'âme qui va vivre dans la divine volonté, qui ne devra juste rien faire, donner son oui, être constante, être persévérante. Jésus parle même du martyr de l'attention, c'est-à-dire qu'à chacune de nos actions, eh bien, appeler Jésus, on peut le faire, voilà, au début de la journée, on donne déjà tous nos actes de la journée, et puis tout au long de la journée, eh bien, on réappelle Jésus, et au plus on va le faire, au plus cela va devenir facile. Et Jésus dit, eh bien, ces âmes-là, elles sont regorgées de ma lumière, et vraiment, je déborde de leur personne. En fait, c'est moi qui agis à travers elle et donc c'est mon amour qui déborde de leur cœur. Donc il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de comparaison possible. Une âme qui vit dans sa volonté propre, elle va être comme un petit enfant qui va crouler sous le poids eh bien, des tentations, des souffrances, etc. Et si l'on voulait l'obliger, ce petit enfant, à soulever un objet très lourd ou à exécuter un travail, l'enfant, se voyant impotent, se voyant sans force, essayerait peut-être, mais voyant qu'il ne peut même pas faire bouger cet objet, ni accomplir ce travail, le pauvre petit éclaterait en sanglots et ne ferait rien. Et pour le rendre heureux, il suffirait de lui donner un bonbon. Donc voilà, Jésus montre bien par cet exemple eh bien, combien nous sommes petits, nous sommes faibles par nos propres forces. Et donc vraiment, c'est quand on laisse Jésus agir en nous qu'on va recevoir sa force divine en fait. C'est lui qui va nous donner sa paix, ses attributs divins, parce que quand il vient s'installer dans notre cœur, il vient bien sûr avec son Père, l'Esprit Saint, la Trinité, qui vient s'installer dans notre âme, mais également il vient avec absolument tout, son royaume, son trône, il va venir avec ses qualités divines. Donc petit à petit, eh bien, au plus il va prendre de place en nous, au plus on va lui ressembler, on va vraiment avoir sa patience, sa force dans les épreuves. On va porter nos croix avec résignation et avec amour parce qu'on va, comme Jésus, voir les fruits de nos souffrances. On ne va pas regarder la souffrance en tant que telle. Jésus, il regardait toutes les âmes qui allaient être sauvées par ses souffrances, en fait, par tout ce qu'il a enduré pour refaire nos vies, pour nous reconnecter à la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume si saint. Par contre, donc, comme dit Jésus ici, celui qui possède ma divine volonté a la force d'un homme adulte. Plus un petit enfant faible qui vraiment se voit crouler sous les embûches, c'est un homme qui va avoir vraiment cette force en fait. C'est vraiment représenté comme un adulte qui va avoir cette force. Ou plutôt, Jésus dit bien,
Ce n'est pas sa force à lui, c'est la force divine. Et si on lui dit de soulever ce pesant objet, sans se troubler, il le prend comme si de rien n'était, alors que le pauvre petit se sentirait écrasé sous le poids. Si on lui demande d'accomplir un travail, il s'en réjouira à cause du gain et du profit qu'il en retirera. Donc vraiment, quand on vit dans la divine volonté, on pense à une seule chose, glorifier la Trinité. Donc tout ce que l'on fait, eh bien, c'est pour apporter de la gloire, de l'amour, de l'honneur, faire des réparations au nom de tous, etc. On pense eh bien, à réparer pour tous nos frères et sœurs, pour qu'un maximum d'âmes soient sauvées, parce qu'on sait que Jésus souffre quand une âme se perd, quand une âme s'arrache de son cœur. Et donc vraiment, notre vie devient une offrande continuelle pour glorifier la Trinité et pour travailler au salut des âmes. En fait, Jésus, eh bien, veut continuer ce qu'il faisait sur la terre. Et c'est ce que Jésus faisait. Il travaillait au salut de nos âmes, il nous reconnectait à la divine volonté, il nous préparait à accueillir ce grand don et continuellement, il glorifiait son Père. Donc vraiment, l'âme qui va vivre dans la divine volonté, eh bien, si on lui demande d'accomplir un travail, cette âme s'en réjouira à cause du gain et du profit qu'il en retirera. Et si on voulait lui donner un bonbon, voilà, en reprenant cet exemple, il le refusera avec mépris en disant, même, voilà, c'est comme si on voulait octroyer une petite grâce. Non, parce que dans la divine volonté, en fait, tout nous appartient. On ne va pas aller supplier pour recevoir telle ou telle petite chose. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, je te donne mon oui. Et directement, on devient propriétaire de tout. On peut aller se servir, on peut aller prendre tout ce que Jésus a fait, tous les fruits de la rédemption, on peut aller prendre son sang, ses plaies, vraiment nous en recouvrir, recouvrir tous les hommes de tous les temps. On peut aller prendre les larmes de Maman Marie, nettoyer toutes les âmes. On peut se trouver à côté de Jésus à chaque instant, durant toute sa vie. Voilà, on se plonge dans l'acte primordial, dans son acte primordial. Et on réactualise tous les mystères que l'on veut réactualiser, on se trouve à côté de Jésus et on peut prendre les paroles de Jésus, les placer dans tous les cœurs, on peut répéter ses paroles, on peut s'identifier à Jésus quand il est crucifié pour se présenter tel quel devant le Père et le supplier, parce que le Père vraiment s'émeut en fait, se laisse toucher quand on s'identifie à Jésus agonisant, à Jésus souffrant, qu'on est recouvert de tous les attributs de sa passion. Marie l'avait enseigné à Louisa en disant c'est la plus belle prière qui soit en fait, quand tu te revêts des attributs de la passion de mon Fils et que tu viens te présenter comme cela devant le trône de l'Éternel et tu peux demander tout ce que tu veux, le Père ne pourra rien te refuser. Donc, demander la conversion de toutes les âmes, demander que toutes les âmes soient sauvées, demander que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre. C'est ce qu'il y a de plus beau à demander, parce que quand ce royaume sera établi ici-bas, les hommes seront tous heureux. Il n'y aura plus de désespoir, de dépression, il n'y aura plus de corps malade, d'esprit malade, etc. Tous les hommes seront bien, seront vraiment comme des enfants de lumière, debout, revêtus des plus beaux joyaux du ciel. Voilà. Ce don nous a été donné pour qu'on puisse être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour qu'on puisse être heureux, en fait. Donc, la seule chose à demander, c'est qu'elle vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Si on veut prier pour telle ou telle personne, plutôt que demander au Seigneur que telle personne rencontre, je sais pas, son âme sœur, ou que telle personne eh bien, puisse pardonner, etc. On va trop dans les détails. Que ta volonté soit faite, Seigneur, pour cette personne-là et pour toutes les personnes dans la même situation. Voilà, Seigneur, que tu puisses régner dans l'âme de cette personne, parce que je sais que ta volonté, eh bien, rend heureux, en fait. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Fiat, fiat, fiat. Voilà, donc dans cet exemple que Jésus nous a pris, donc l'âme qui vit dans sa volonté propre, qui essaie de faire le bien dans sa volonté propre, va être comme un petit enfant, il va se laisser écraser sous le poids des fardeaux, des souffrances, etc. Et vraiment, il sera content si on lui donne un tout petit truc, un petit bonbon, et hop, il va retrouver le sourire, une petite grâce. Mais quand on vit dans la divine volonté, tout est tellement énorme, on laisse Jésus vraiment faire tout en nous, tout paraît léger, une croix, une souffrance. Oui, mais pour la gloire de Dieu, oui, mais pour sauver des âmes, on voit directement eh bien, les bienfaits qui vont résulter de cette souffrance vécue en union avec Jésus. Parce que notre petite souffrance, même une petite souffrance volontaire, comme se priver d'un dessert, d'un repas ou que sais-je, eh bien, notre souffrance va porter les fruits des souffrances rédemptrices de Jésus. Donc, on devient fort dans les choses de la vie. Parce que notre regard est uniquement fixé sur Jésus et sur, sur notre intention de le glorifier continuellement.
Voilà, si on voulait lui donner un bonbon, il le refuserait avec mépris en disant « Donnez-moi simplement le prix de mon travail car je dois en vivre. » Tu vois donc que celle qui a ma divine volonté a suffisamment de force, cette force divine, la force même de Dieu, pour tout faire. Si bien que tout lui est aisé, même la souffrance. Car comme elle se sent forte, elle la considère comme un nouveau gain. En fait, on lit tellement dans les écrits du ciel que la souffrance est un cadeau d'amour, de prédilection. Jésus, son amour est croix, il nous partage sa croix. C'est comme un cadeau de fiançailles quelque part. Et donc, si on accepte cette souffrance avec amour, qu'on l'unit à celle de Jésus, eh bien, on va au mariage. Où c'est comme un fruit, en fait, un fruit recouvert d'épines. Cela peut paraître déroutant, on n'a pas envie de manger ce fruit, etc. Mais si on l'accepte et qu'on prend le temps de retirer les épines, on trouve toujours Jésus dans la souffrance. Ou alors Jésus donne un autre exemple. Voilà, la souffrance, c'est comme un poignard dans le cœur de celle qui l'endure, dans l'âme qui l'endure. Mais il faut regarder de l'autre côté, en fait, du manche. Eh bien, cela relie l'âme à Jésus. C'est comme si d'un côté cela touchait l'âme et de l'autre côté cela touchait Jésus. On est davantage unis. On grandit dans cette intimité avec Jésus. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, a suffisamment de force pour tout faire, cette force divine qui lui est donnée dans cette union sanctifiante avec Jésus, si bien que tout lui est aisé, même la souffrance, car comme elle se sent forte, elle la considère comme un nouveau gain, c'est un nouveau gain pour aider Jésus, pour travailler à l'avènement de son royaume, pour sauver des âmes, pour le glorifier, etc., pour qu'il puisse continuer vraiment sa vie en nous. Pourquoi beaucoup sont-elles incapables de souffrir, quoi que ce soit, et semblent n'avoir toujours que la faiblesse d'un enfant? C'est qu'il leur manque cette force, la force de la divine volonté. Voilà la cause de tous les maux. Donc c'est en fait quand on se sent écrasé par la souffrance, eh bien ça peut être un indicateur qu'on n'est plus connecté à Jésus. Voilà, en se replongeant dans sa divine volonté, il va nous donner la force nécessaire de vraiment pour tout vivre en fait, tout vivre avec amour et résignation. Par conséquent, sois attentive, ma fille, et ne sors jamais de ma divine volonté. Je continuais alors mes actes dans le divin fiat et arrivais au point où il appelait à la vie, mettait au jour la reine souveraine du ciel, je pensais. En créant la très sainte Vierge, Dieu enrichit non seulement sa belle âme de nombreux privilèges, mais il a dû aussi transformer sa nature pour la rendre aussi pure et aussi sainte. Voilà, elle fait sa ronde, elle est au moment où la Vierge Marie, eh bien, voit le jour et elle se dit, mais... Oui, la Trinité a enrichi son âme de nombreux privilèges, etc. Mais la Trinité a dû probablement aussi transformer sa nature pour la rendre aussi pure et aussi sainte. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, Ma fille, il n'y avait rien à ajouter à sa nature, parce que ce n'est pas la nature humaine qui a péché, mais la volonté humaine. Ce n'est pas la nature humaine qui a péché. Mais c'est la volonté humaine qui s'est détachée de la divine volonté. Et cela a comme tout gangréné, en fait. Cela a comme infecté la nature humaine. Ce n'est pas la nature humaine qui a péché, c'est la volonté humaine qui, en se déconnectant de la divine volonté, a comme, a tout enlaidi, en fait. A rendu cette nature humaine faible. En fait, la nature humaine était à sa place, tout comme elle est sortie de nos mains créatrices. C'est pourquoi nous avons utilisé la même nature des autres créatures en créant la Vierge. Ce qui s'est contaminé dans l'homme, c'est sa volonté. Et comme sa nature humaine était animée par sa volonté rebelle, la nature humaine était animée par cette volonté humaine déconnectée de la divine volonté qui résidait dans la nature humaine, elle y participa et elle resta contaminée. Elle est devenue faible. Ainsi, une fois que la divine volonté, la volonté divine et humaine sont mises en harmonie, accordant le règne et le régime à la divine volonté, tel que cela est voulu par nous, la nature humaine perd ses tristes effets et reste aussi belle que lorsqu'elle sortit de nos mains créatrices. Donc, ce qui rend la nature humaine laide, affaiblie, eh bien, c'est cette déconnexion entre la divine volonté et notre volonté humaine. Et Jésus dit, à partir du moment où la volonté humaine, eh bien, est à nouveau fusionnée dans la divine volonté, eh bien, tous ces tristes effets sur la volonté, sur la nature humaine disparaissent et la nature humaine redevient belle, resplendissante, comme sortie de nos mains. Or, dans la reine du ciel, toute notre œuvre était dans sa volonté humaine, qui reçut la nôtre avec joie. Marie, voilà, elle était dès la seconde une de sa conception, elle a offert sa volonté, elle n'en a pas fait usage, elle l'a déposée au pied du trône de l'Éternel et vraiment
Elle a totalement déposé, quoi. Donc elle n'a vécu que de la divine volonté. Et notre volonté, ne trouvant aucune résistance de sa part, opéra des prodiges de grâce. Et en vertu de mon divin vouloir, elle demeura sanctifiée et ne ressentit pas les tristes effets et les maux comme les autres créatures. Voilà, sa nature humaine n'a pas ressenti tous les effets liés à la déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté, puisque sa volonté humaine était totalement fondue dans la divine volonté. Par conséquent, ma fille, une fois que la cause est enlevée, les effets disparaissent. Oh, si ma divine volonté entre dans les créatures et y règne, elle bannira en elles tous les maux et leur communiquera tous les biens à l'âme et au corps. Ça, nous savons, voilà, si nous vivons dans la divine volonté va venir balayer bien tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Et vraiment, nous allons être des enfants resplendissants de la lumière de Dieu. C'est ce que nous souhaitons, Seigneur. Alors donne-nous ce don et vraiment aide-nous à aimer avec ton amour, à regarder avec tes regards empreints de compassion, à parler avec chacune de tes paroles. Aide-nous, donne-nous cette grâce de la souvenance de pouvoir continuellement t'appeler dans toutes nos actions, même nos petits actes tout petits, nos actes naturels, etc. Parce que tu nous as dit, voilà, et tu nous le dis régulièrement dans les Écrits du ciel. Peu importe si c'est un petit acte ou un grand acte, si tu vas bâiller dans la divine volonté ou que tu vas faire tout un rosaire dans la divine volonté, c'est la même chose. Un acte fait par moi est un acte éternel, un acte magnifique qui porte des fruits incroyables partout, qui a vraiment des retombées magnifiques et bienfaisantes dans tous les cœurs. Alors, unis-toi à moi et resplendis de ma présence. Oui Seigneur, vraiment nous voulons être de bons instruments de paix, d'amour, de justice entre tes mains. Nous nous offrons à toi et que ta volonté soit faite dans nos vies Seigneur et que ton royaume vienne s'établir ici-bas sur la terre. Nous voulons travailler à l'avènement de ton royaume. Nous voulons vraiment être comme d'autres toi sur la terre. Alors vraiment Seigneur, c'est avec ta volonté que nous te redisons encore et toujours à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements externes et internes. Nous t'aimons, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions avec ta volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.